Bonsoir mes belles. Alors aujourd'hui, je viens ce soir donc vous montrer une façon de nouer le hijab différente que les autres tutos, la manière asiatique en fait de le nouer avec cette petite pointe ici au niveau du front, donc ici. Et donc avec un voile un peu dans les tons corail que j'ai eu chez Basmaka Style, donc sur un site internet anglais, et qui s'appelle Lace Coral. Donc voilà comment il est de près, donc ça fait effet dentelle. Alors là j'ai mis donc mon bonnet pour cacher mes cheveux et un voile pour cacher mon cou, mais bien sûr vous ne devez pas les mettre. Alors je viens prendre donc le voile dans sa longueur, donc voilà, il est long comme ceci. Je le plie en deux, mais je plie juste le rebord en fait ici comme ça. Donc, vous voyez la longueur, hop, je le plie comme ceci tout le long. Je viens ensuite le mettre donc sur ma tête et j'essaie de le mettre ceci. Donc à pas à moitié, pas totalement à la moitié, mais un peu avant la moitié ici. Je prends une pince, je peins la nourrice et je viens pincer ici au niveau du cou en faisant attention. Je tire un tout petit peu sur mon voile ici pour faire ce petit pont ici, à ce niveau-là, sachant qu'on n'a pas, y a pas de bande en dessous. Je fais donc un petit pli au niveau des joues ici, comme ça. Voilà. Et donc je viens ramener ce morceau-là donc autour de ma tête comme ceci, donc en mettant le voile donc juste sur ma joue comme ça, et je le fais tourner autour de ma tête. Alors arrivé à ce stade-là, donc vous voyez qu'on a en fait le bord, on aimerait bien donc qu'il se voit parce qu'il est joli. Donc ce qu'on fait, c'est-à-dire que je ramène donc mon voile, moi, ici, je le pose comme ceci. Et je tourne donc le rebord comme ça sur ce côté-là pour qu'on puisse voir la bande. Je prends une pince. Je viens pincer ici pour que le bout reste voyant. Je pince donc ce rebord-là. Ensuite, pour venir faire donc le volume ici au niveau du haut de la tête, je ramène donc un bout, je viens de derrière. Voilà notre voile avec cette petite pointe qui est relevée, donc qui fait joli. Voilà mes belles pour ce voile-là, donc j'espère que jusqu'ici, vous avez passé un bon Ramadan. Donc, on est presque dans les 10 derniers jours du Ramadan. N'oubliez pas donc, de prier plus que d'habitude. Comme vous savez, donc il y a Laylat al-Qadr qui est dans les 10 derniers jours du Ramadan. Donc, c'est la plus belle nuit du Ramadan. Et j'espère que tous vos vœux seront exaucés. Et qu'Allah nous facilite cette fin de Ramadan. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.